Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Momo avec vous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur ma chaîne YouTube puisque je vais vous présenter le numéro 5 de la collection micro-voiture d'antan de Altaïa. Donc on a le fascicule qui est ici et bien sûr on a la miniature qui est ici. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur la table pour voir tout ça en détail. C'est parti! Donc voilà les amis, on est sur la table et on va regarder tout de suite le fascicule. Donc on voit un numéro 5, Moshe CM125Y de 1956. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Deux vélos à auto. Donc il faut savoir que Moshe est une marque française. La plus petite voiture du monde, la moins chère. 5950 francs, la moins imposée, 5 francs par mois, voilà. Révolta, Budapest. Donc comme d'hab, si vous voulez lire, vous ferez pause. Petite automobile, et là bien sûr, vous avez les caractéristiques de la voiture. Donc si vous voulez lire, vous ferez pause aussi, voilà. On voit, elle est quand même magnifique. Hein. Voilà. Et bien sûr, l'arrière du fascicule. En 1954, Moshe présente une voiture avec un moteur de 748 cm3 et une magnifique carrosserie fabriquée en Anthème. Ok. Et bien sûr l'arrière du fascicule et on voit que la voiture a coûté 12,99€. Et oui, Altaïa ne me l'a pas envoyé parce qu'ils avaient plus de stock et il m'a fait envoyer le numéro 6. Donc pour être dans la logique de la collection, j'ai dû acheter le numéro 5. Voilà. Donc la voiture, elle est là. Donc on va la sortir tout de suite de l'emballage. Et petit souci Altaïa, si vous passez par ici, c'est que quand je l'ai acheté au bureau de tabac, ben voilà. Elle était cassée. Donc la voiture, elle est là. Elle est superbe. On voit une super photo de la voiture à l'arrière. Et là, on va l'ouvrir. Hop. Et voilà. Alors, elle est quand même super jolie. Hein. Il n'y a pas à dire. Plaque 59. Donc elle est immatriculée dans le Nord. Dans Schnorr, voilà, avec l'autocollant France et tout. Elle est superbe. Voilà. Donc on va regarder les caractéristiques techniques tout de suite. Donc c'est un moteur 10 chevaux, 125 cm3. Et elle allait à maximum 60 km/h. Elle pesait 240 kg. Et elle faisait... Enfin, ils l'ont produit à 1120 exemplaires. Voilà. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour se dire au revoir. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye les amis. Tchuss.